Hé hey Lolo, qu'est-ce qui se passe? Putain, on part à la pêche. On fait quelques heures de route là pour arriver sur une magnifique gravière. On a vu quelques photos, c'est assez splendide. Ça fait 5 ans le cheptel, il a bien évolué, on sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a jamais pêché cette gravière. Et on va essayer de faire du poisson. Allez, c'est parti. Superbe miroir, bien proportionné là. Adepte des Ecstasy Monster Crab. La nouveauté de 2020 qui fait des ravages. Et les gros poissons tombent les uns après les autres. Troisième 25+ de l'année. Au top. Allez, la septième de la série. De superbes petits poissons, magnifiques, avec de belles petites écailles, tout jeunes, tout en vigueur. Et puis, septième poisson de la journée, voilà, Ecstasy Monster Crab. Je pense qu'elles sont rentrées dedans comme il fallait. Superbe petit poisson, ça fait bien plaisir. Allez, une deuxième, et cette fois-ci une commune, la première depuis le début. On se régale, on continue. Allez, je vais lui rendre sa liberté parce qu'elle a bien envie d'y retourner, celle-là. Pour vous parler un petit peu stratégie d'amorçage, sur cette gravière, on est parti uniquement sur de la bouillette pure. Il n'y a pas de blanc, pas de silure, pas de poisson chat. Du coup, de la bouillette pure en deux diamètres. Donc de la 15 mm pour étaler un petit peu les amorçages. De la 20 mm qu'on va couper parce qu'on va pêcher essentiellement les bordures. La pêche se fait essentiellement en bordure sur cette gravière. Du coup, pour que ça tienne les fortes pentes, on les coupe. Donc on va mettre la moitié des bouillettes en 20 mm coupées. Un autre quart de bouillette en 20 mm ronde. Et un quart de bouillette en 15 mm pour étaler l'amorçage et aussi pour avoir plusieurs de diamètre. Ce qui va... Donc les poissons ne vont pas se focaliser sur une seule force d'aspiration d'une bouillette. Ils vont aspirer plusieurs poids de bouillette, plusieurs diamètres de bouillette différentes. Du coup, ça va pas jouer sur l'aspiration pour les montages. Voilà. Allez, encore une petite miroir, on est sur une série de petits poissons, la 11e en 24 heures, Triant des Monster Crab Ecstasy, ça déroule bien, on va essayer de continuer. Cette belle gravière aux eaux translucides, là, on a deux types de spots très précis. En fait, on va pêcher très principalement les plateaux, entre 7 et 10 mètres de profondeur, avec un substrat d'herbier de fond, et les pentes abruptes des bordures, qui sont très bonnes grâce aux écrevisses qui traînent et les poissons viennent s'y nourrir. Alors pour les plateaux, on utilise une tête de ligne en 60 en roche plus, un clip plomb métallique et un plomb substrat herbe pour avoir un bon mimétisme au fond et un montage en aqualine en 70 centièmes pour être bien rigide pour lors de la descente en 7 ou 10 mètres qu'il n'y ait pas d'emmêlement. On a préféré mettre un bodyguard au cas où il y ait des écrevisses quand même. Et une petite bouillette en 20 mm Ecstasy, un hameçon 4 curva. Voilà, bon, les montages très simples, très efficaces. Ça, c'est pour les plateaux enherbés. Et deuxième type de spot, donc dans les bordures très pentues, très abruptes, là où il y a les écrevisses, on va utiliser des cailloux pour éviter que le plomb glisse lors de la tension de la ligne. Alors bon, pour la tête de ligne, toujours du Rush Plus 160, toujours un clip plomb métallique avec cette fois-ci un élastique, un caillou
et le même montage aqualine, curva en 4 et une bille en ecstasy bodyguardée, comme ça au cas où il y a des écrevisses, ça pêchera toute la nuit, tout le temps, sans problème. Avec ce montage caillou, l'idéal c'est quand il y a une touche, en fait le caillou saute, pomme, et avec ceci on arrive à être en direct avec le poisson et ça limite les décroches et en plus ça évite que les poissons puissent partir dans des obstacles ou que le plomb se bloque quelque part le temps du combat. Pour la technique frein serré caillou stiff, nous avons remarqué que 70% des touches étaient des touches retour, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Magnifique miroir, deuxième 25 plus en 3 jours, cette magnifique gravière. Poisson splendide là, avec des morphologies assez spécifiques. Et les Ecstasy Monster Trap qui frappent encore. Un nouveau trophée là. Super. Hier c'était le grand soleil. Aujourd'hui, petite dépression, un petit orage. Et de suite, un joli poisson qui est venu nous rendre visite. Une belle miroir, bien avec des belles couleurs. Assez sombre, superbe, un peu plus de 20 kg pour celle-ci, on est aux anges, nickel. Tout juste une demi-heure après la première, 20 plus, suivi un très très vieux poisson, marqué par la vie, tout aussi beau, tout aussi joli, tout aussi gros, splendide. Allez hop là, la 17ème, toujours le miroir, encore une belle écaille, elle se ressemble, le top. Allez, superbe commune pour ce 20ème poisson, toujours des combats dans cette eau limpide, et le magnifique moment qu'on passe ici, là. Super. Beau poisson, un peu plus de 20 kg pour cette belle miroir bien écaillée. Toujours prise à la Monster Crab Ecstasy, en sortie de frais. Elles en sont folles. Top! Génial. Allez, super miroir pour ce dernier 24 heures. Un miroir qui dépasse les 20 kg tout juste là. Encore un super poisson sur cette gravière. Sûrement le dernier gros poisson de la session. Et histoire de conclure en beauté cette belle série de touches, plus de 50 poissons sur le tapis. Beaucoup de petits poissons, mais quelques gros poissons qui sont sortis du lot quand même. Superbe semaine là, magnifique. Petite conclusion de ces quelques jours de pêche. On en a pris plein les yeux sur cette magnifique gravière avec une eau translucide, un super décor. On aura réussi à faire une avalanche de touches, beaucoup de poissons de rempoissonnement entre 5 et 10 kg, plutôt dans les 5 que dans les 10 d'ailleurs. Mais on aura quand même réussi à travers tous ces poissons, piquer quelques poissons de souche bien plus jolis. Et c'était l'objectif. Et donc du coup, on peut partir en se disant que l'objectif est atteint.